Aujourd'hui, au Torque Podcast, on parle de voitures sportives, dont tous les essais qu'on a eus cet été. Parlons-en. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Jules Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors, aujourd'hui, on va vous parler un peu de tous les modèles sportifs sportifs coupés qu'on a eu à l'essai euh, durant l'été. On en a plus eu beaucoup de moins en moins. Mm -hmm. Puis ça nous inquiète. Oui. Puis on va être franc avec vous, euh, on a remarqué une tendance de plus en plus. C'est pas qu'on on veut euh, faire de moins en moins des voitures sport, il y en a presque plus. Oui, il y en a de moins en moins. Et... De moins en moins, même de, de véhicules coupés. Tu sais, on dirait, c'est d'inspiration coupée, mais des vrais coupés, on a eu quoi On a eu un cet été Deux. Deux. Deux environ. Euh, on a eu la, la, la Subaru BRZ. Ah oui, c'est vrai. La euh, BMW M240i mm -hmm. X-Drive. Euh, à part de ça, on n'a pas eu grand-chose de vrais quatre portes. Je veux dire, de vrais deux portes de coupés sport. On a beaucoup de modèles quatre portes, ces choses-là. Euh, plutôt cet hiver on a eu le Veloster N des choses là mais ça on tombe, tombe plus hatchback la Golf c'est hatchback ouais. un vrai coupé sport on n'en a pas beaucoup euh, on n'a pas fait de Mustang cet été c'est une des, des seules étés qu'on n'a pas fait de Mustang c'est vrai il n'y a pas je ne voulais pas dire que c'est pas nécessaire, c'est juste que le nouveau modèle va être, à, va être annoncé euh, au mois de septembre. Euh, puis on va faire une émission spéciale là-dessus, c'est oui. très important. La nouvelle génération de S650 qu'appelle. Euh, c'est un peu pour ça, à un moment donné, quand le, le modèle est en fin de vie, à un moment donné, pour nous, ça ne nous donne à rien d'essayer un modèle qu'on a déjà conduit plusieurs fois. Oui. Fait que euh, pas de Mustang. Euh, Challenger, peut-être qu'on va en faire au mois d'octobre un peu, peut-être. Euh, J'essaie d'avoir de, de des trucs. Euh, Mais souvent à ta fête, t'es un peu gâté. Ouais, Dodge, 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 <laughs> Dodge Deep En euh, gros, Stellantis, aime ça euh, booker mon mois d'octobre. Fait qu'on on peut s'attendre à une coupe de, de, de produits Stellantis au mois d'octobre. Mais en fait, cet, cet, cet été, on n'a pas fait grand-chose. Il n'y a pas gros de nouveautés. Mm -hmm. Mustang, il avait rien de nouveau. Challenger, oui, il y avait le jailbreak. Mais regardez, c'est un red eye avec euh, des petites modifications. Euh, chez, chez Chevrolet, à la Camaro est en train de mourir. Ouais. <laughs> c'est un petit peu dommage, mais euh, c'est de ça. Euh, à part de ça, voiture sport, euh, regardez, sinon, il faut, faut tomber dans des grosses braquettes. Euh, on, on joue pas encore beaucoup dans les Ferrari, les Porsche, et les Lambeaux, etc. Pas qu'on ne veut pas les essayer, c'est juste que. <laughs> on n'en a pas eu encore. <laughs> pas eu encore. Ça, ça coûte un peu plus cher d'assurance aussi. <laughs> ah ouais, c'est. Il ouais. <laughs> faut voir ça aussi. Donc de hein? ce côté-là, c'est sûr et certain que c'est un petit peu plus limité. Aujourd'hui, je voulais parler de ça. Qu'est-ce qui se passe à côté avec les voitures sport euh, même j'en parlais, puis ça fait deux trois ans que là, je sais quand même, tu sais, quand on arrive à l'été, tu sais, je veux bouquer des voitures sport, puis j'aime pas, pas ça aussi les bouquets à l'automne. Des fois aussi, on va être franc avec vous, là, euh, les, Toronto passe avant nous autres, puis après ça, ouais. nous autres, on a les voitures sport, puis on les a à l'automne. Euh, quand il commence à faire froid avec les terres finies. Ouais. c'est super beau bon pour tester les performances des véhicules sportifs. Oui, <laughs> c'est ça, c'est exactement ça. Fait que dans les vrais coupés qu'on a eu, fait que Subaru BRZ, euh, puis euh, la, la BMW M240, deux véhicules extrêmement différents, mm -hmm. euh, aussi à euh, différents budgets. Mais qu'est-ce que j'aime ai, beaucoup euh, de, de, du produit Subaru, c'est qu'on offre encore un vrai coupé. Un vrai 2 plus 2, qu'on appelle un 2 porte propulsion mm -hmm. abordable. Oui. C'était vraiment un véhicule le fun. Euh, moi, qu'est-ce que j'ai retenu euh, du BRZ? Écoute, c'est que c'est un véhicule, on comme on l'a mentionné, on peut l'exploiter vraiment au maximum sans être illégal, comme on a parlé un peu dans un précédent podcast. C'est un véhicule qui n'a a pas euh, 800 chevaux euh, sous le capot, mais il est tellement le fun à conduire. Puis surtout, tu sais, même toi, tu as eu du fun. Oui, j'ai été très surpris du ouais. BRZ parce que, premièrement, je pensais que pas rentrer dedans. Oui, ça, c'était le premier point. Même, même <laughs> les, gens, les gens qui s'occupent de la flotte, Subaru, ils me niaisaient. Ils me disaient Ah, t'as-tu besoin d'aide pour rentrer dans le véhicule euh, Non, j'ai été agréablement surpris. Mm -hmm. Puis ça, c'était quelque chose aussi. Chez les gens chez Subaru m'avaient dit euh, il y en a un qui est, qui, qui, qui est le spécialiste de produits là-bas, puis il est plus grand, puis plus gros que moi, puis il me disait qu'il rentrait super bien. J'étais comme, il ah, y a, a c'est le gars euh... sous <laughs> mais non, il y avait non, raison. Oui, tu rentrais. Euh, tout le monde chiale BRZ, GR86, c'est des chars qui n'ont pas de pouvoir aux ces affaires. C'est vraiment une expérience de conduite sportive. Ouais. Tu n'as pas besoin de beaucoup de chevaux. Regardez, je l'ai poussé pour savoir où étaient ses limites. Je voulais voir comment que le cul partait. Euh, J'ai fait exprès pour un peu le cochonner quand il mouillait. Je voulais voir comment que le cul allait partir. Puis, regardez. Être franc avec vous, là, si on, mettons, on mettrait un moteur de 300-350 chevaux, ça serait un véhicule extrêmement dangereux. Il serait dur à conduire. Oui. Avec beaucoup de chevaux sur le capot, là, euh, je pense que c'est une, une bonne voiture pour débuter. Euh, mettons que vous êtes jeune, euh, vous voulez pas rentrer dans un Camaro ou dans un Mustang, vous voulez apprendre à conduire manuel, vous voulez apprendre à conduire en propulsion. Très bon véhicule pour ça, mais encore là, ça reste pas un véhicule qui est extrêmement facile à conduire. Ça reste un propulsion, ça reste une voiture sport. On peut perdre le contrôle facilement, beaucoup plus facilement qu'un traction avant ou un, 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 un système intégral. Pour ça, c'est très bien. Pour aller faire de la piste de course, pour apprendre comment drifter ces choses-là, je trouve que c'est super. Pis en plus, c'est un véhicule qu'on est capable de conduire tous les jours parce que euh, la suspension est quand même confortable, les sièges sont confortables, mais c'est sûr et certain. Ce pas le genre de véhicule que je roulerais l'hiver. Non, non, c'est sûr. Mais on s'entend, si on compare au Blackwing et autres véhicules de performance de ce monde, que, comme on mentionnait, eh, on ne pouvait pas le shifter en troisième vitesse. Là, c'est pas le cas avec le MRZ. C'est un bon véhicule. On peut vraiment l'exploiter au complet. On peut shifter. On peut filer la conduite. Moi, je trouve ça le fun. Puis, comme tu dis, pour les jeunes, euh, si vous êtes plus jeune, vous voulez un véhicule de performance pour apprendre euh, des skills de conduite, c'est un bon choix. Mais là, l'affaire qu'il y a, c'est que nous, on vit au Canada avec nos routes et notre température. Mm -hmm. Je pense que ce qui tue gros euh, ces véhicules-là, c'est le côté pratique. Est-ce qu'on peut l'utiliser à l'année longue? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour aller au travail? Est-ce qu'il faut avoir deux véhicules quand on achète un BRZ? Donc là, c'est sûr et certain que là, il y a d'autres véhicules qui viennent en, en bout de ligne. Là, on va tomber dans les véhicules qui sont quatre portes, hatchback, VUS. Mm -hmm. Regardez, on a essayé le, le Kona N, qui est un VUS de performance. Ouais. On vient avec un espèce de golf GTI, mais surmonté, avec une bonne valise, et de la place pour les enfants à l'arrière. Euh, on peut rouler tous les jours, on peut avoir du fun avec. C'est un petit peu une espèce de couteau suisse, là. Ouais. Fait que Peut-être qu'il pose pas aussi beau qu'un BRZ, qu'il serait rabaissé, tout le kit. Ouais, mais... Mais on s'entend un BRZ, là, à un moment donné, je vais être franche. Là, on a pris un nid de poule et on a peur que la roue soit restée dedans. L'affaire ah, la qu'il y a, c'est que les, les, qu les sièges en arrière n'étaient pas utilisables. La, la valise, il y a deux carry-on qui rentraient dedans. Ce euh, c'est pas, pratique. pas pratique. puis Je pense que c'est ça, de plus en plus, euh, qui va tuer un peu les voitures sport. Mm -hmm. C'est inquiétant parce que dans le futur, c'est quoi qui va rester dans le futur euh, dans un futur plus électrique? Dodge nous a donné un aperçu du Charger Daytona avec des sons euh, futuristes. et puis ils disent qu'il y, il y, il y a une transition manuelle qu'on va pouvoir shifter et tout ça. Alors regardez, moi je pense que de plus en plus aussi, on s'en va vers un espèce de futur que ça va être extrême. Ben c'est pas ça l'affaire qu'il y a, c'est que toutes les chars vont marcher. Que tu ouais. un, 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 un Bronco Carré, que tu un, 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 une grosse berline, que tu un gros VUS ou que tu as un petit char, ils vont tous comme avoir presque la même performance. C'est okay. quoi qui va faire la différence entre un, 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 une voiture de performance qui va être le fun à conduire puis les autres véhicules, tu sais? Moi, ce que, ce que je vois, là, faire quoi je prédis euh, qu'on s'en va, c'est vraiment. Même dans nos essais, plus qu'on avance, plus qu'on voit les nouveautés que les manufacturiers sortent, autant dans l'électrique qu'à gaz quoi, c'est que tout va être extrême. Soit on va avoir un moteur à gaz qui va être marché ultra, full bruyant, tout le kit, là, comme des véhicules de super performance. Ou on va être dans l'électrique, mais que tu ne fais pas de bruit, mais ça roule vraiment. Puis oui, oui, il y a des véhicules électriques comme plus d'entrée de gamme, mais ils ont quand même... Eh, ils ont quand même du jus, ces véhicules-là. Ah, là. Oh, tu sais, dans le passé, là, euh, quand tu avais, avais 200 chevaux sous le capot, tu avais quelque chose de performant. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'avais environ 16 ans, là, une espèce de Integra Type -R, ou une Civic SI, ou un Jetta V6, etc. Tu etc., avais 200 chevaux, mais tu plantais tous ceux qui avaient à peu près 120 chevaux, 130 chevaux. Puis tu vas shifter tes, tes gears. Ah ouais. Tu euh, moi je m'en souviens en dégâts. <laughs> vas-y, vas-y, il hein, hésite à le compter. <laughs> je me souviens dans le temps, là, sur l'autoroute 10, là, à un moment donné, ça monte là, dans notre coin. Puis euh, les Civics, là eux autres, là, ils, dans la côte, là, ils avaient de la misère. Là. Ils, ils, avaient, ils, ils perdaient quasiment <laughs> de la vitesse. C'était à ah. ce point-là. Ah ouais. À cette heure, là, les, les, les véhicules électriques, même si ils sont pesants, euh, il n'y en a pas beaucoup en bas de 300 chevaux. Puis là, on oublie le torque. Là, euh, les, ah, euh, le avec, torque électrique euh, en le plus. Le torque, c est... C est... Là, on tombe le temps dans du 500, 600. Pis... C'est ça l'affaire. Fait que là, c'est quoi le futur des voitures sport? On va le voir euh, aussi avec la nouvelle Mustang ou ce que George Dodge. C'est vraiment. Je pense que dans ce milieu-là, ça va être vraiment Ford puis Dodge qui vont mettre un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. On, on s'en va là. Euh, surtout Dodge, parce que c'est leur pain puis leur beurre chez Dodge. Là. Le Challenger, le Charger. Regardez, c'est pas mal ça qu'ils vendent, les autres, chez eux. Fait Il faut absolument qu'ils mettent un peu... Euh, nous autres, on s'en va vers ça. C'est ça ça va être le futur des muscle cars tout ça. Mais regardez, pour l'instant, euh, BRZ, regardez, à mon avis, à moi, là, ça va peut-être paraître plate. Là. Chez, chez Subaru, ben, tu sais... Entre une BRZ et un WRX, j'investirais peut-être 4-5 000 de plus pour aller avec le WRX. Ouais. C'est traction intégrale, c'est plus puissant, il y a une valise. La suspension est comme à long travel, est faite pour nos chemins. On va se le dire, le problème qui aussi qui arrive avec les, les voitures sport, c'est que nos chemins ne s'améliorent pas. Non. Puis c'est pas le cas juste d'ici au Québec. Oui, il y a, a d'autres provinces, il y a d'autres États que les chemins sont plus beaux. Mais en général, dans l'Amérique du Nord ou dans les grandes villes, les chemins s'en viennent de plus en plus dégueulasses. Puis ça y repasse améliorant, là, parce que plus en plus qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques qui sont de plus en plus pesants. Hey, écoutez, là, dans les garages, là, ils, même je prends l'exemple de JM avec les Hummer et tout, là. On a parlé à des gars, il va falloir qu'ils changent leur livre. Non, ça va tu être rendu là. Non, c'est plus les particuliers, les, les, les livres que d'un concessionnaires. Ouais, des concessionnaires, mais t'sais, ils les, sont sont bien, sont bien, de les prendre. S'ils sont capables de lever un vide ils sont de le vendre. C'est un particulier qui avait, ouais. qu avait un livre qui mettons qui allait jusqu'à 5-7 000 livres. sais mettons la place que vous allez changer vos pneus à sud coin de chez vous ou Joe Blow qui est le mécano qui répare un peu de tout. Mais ben peut-être qu'il n'y a pas un livre qui a de ceci. Ah, c'est pesant pour ça. Oh, ouais. fait que ça, c'est des, des choses comme ça. Mais sans trop déraper <laughs> là-dedans. Euh, on va se le dire, là, regardez. À est longue, conduire, mettons, le ces choses-là, même si c'est pas un coupé, ça fait plus de sens pour le portefeuille, plus de valises, plus de place à l'arrière, quatre roues motrices. Mm -hmm. C'est des choses comme ça qui viennent tuer un peu les voitures sport. Les fameux deux portes. Oui. Non, c'est sûr qu'à rendu là, euh, avoir le choix comme ça, puis quand on regarde ça avec du recul, c'est raison. As, les gens vont plus peut-être pencher pour la WRX. Mais je trouve ça le fun quand même que Subaru, tu sais, ils ont sorti euh, le BRZ. Est-ce qu'il va durer dans le temps? Ça la, reste à voir. Ça, c'est vraiment à cause qu'ils font avec Toyota, c'est pour ça qu'ils survivent, ce modèle-là. Si Subaru serait tout seul à le faire ou Toyota tout seul à le faire... Peut-être que ça ne voudrait pas la peine. Ouais. Ça, c'est le genre de modèle qui vit à cause de ça. C'est un petit peu aussi la raison pourquoi la Supra a, a vie à comparer des autres modèles. Parlant de la Supra, on ne l'a pas essayé, mais on a essayé la BMW M2 Garantie, mm -hmm. qui est littéralement sur la même plateforme que la Supra, la Z4 et tout ça, le même ouais. moteur, tout ça. Mais l'avantage du produit BMW, on peut l'avoir à traction intégrale. Oui. Fait que la direction intérieure, là ça devient intéressant pour l'utiliser à l'année. On a un coupé, on a une vraie valise, on a des, des bons sièges confortables dedans. Mm -hmm. C'est sûr que les sièges sont pas utilisables, mais on va se dire, toutes les coupées de portes, on peut pas utiliser les sièges à l'arrière Non non, c'est sont là pour dire qu'ils sont là. <laughs> ouais, c'est ça. Fait que là on trouvait que nous, oui, c'est c'est pas la même braquette, on double la braquette littéralement de la BRZ. Mais là, c'est un produit qui est plus intéressant tout en gardant la shape coupée. Oui, j'ai bien aimé aussi la BM, mais euh, à la main, euh, je trouve que le devant était étrange. La grille, peut-être. Ça me rappelait vraiment les vieux modèles. Bien, le design était. Tu sais, c'est pas. Tu sais, je commence dire une BRZ, elle a un beau, un beau design ouais. là, qui ressemble un peu à une Supra. La, la, la BMW M240i, elle, elle ressemble à rien. Comme. Elle était étrange. comme une espèce de quatre portes qui auraient été tirées puis rapetissées du cul. Puis, tout, tout le long qu'on l'avait la semaine, c'est comme. C'est un auto que j'aimais beaucoup, mais en même temps, je, comme, on dirait que je la trouvais laide. Oui, puis quand tu me suivais, euh, quand, quand on faisait les essais, on avait deux véhicules euh, cette semaine-là, je m'en souviens. Je te regardais dans mon miroir puis tu me suivais. J'essaie de te suivre. Ouais, t'essayais de me suivre dans mon bolide. Mais euh, écoute, euh, je, on dirait que c'était un vieux véhicule qui me suivait. Euh, non, mais on dirait, tu sais, je, je sais pas. Je m'aurais attendu à plus de, de facteurs wow. Là. Il fallait que je l'appelle, je le slack un peu. Hein. Ouais, je n'étais pas slack, si rapide. Slack euh. un peu. Moi, j'étais en m 240 un moteur de Supra dans le tapis. Ta, 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 ta. Puis elle était là, vous, elle disparaissait avec le XI. Je fais de la, la magie. Le IX, pas le XI. Le XI. I, 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 X Oh non, mais... Elle ne s'apercevait pas. C'est ça la faille qu'il y a. Là. Quand on tombe dans des véhicules électriques, puis ils sont très puissants, surtout des, des, des modèles allemands, euh, tu sais, toi, tu ne pesais presque pas, puis... Moi, je suis en arrière à, à shifter mes gears dans, dans, dans la red line, puis je t'apprends de te suivre. Moi, là, je vais faire une parenthèse. Anyway, oui, on, on va en reparler dans un prochain podcast, là, mais. C est, c est, je pense que c'est quand j'ai essayé ce véhicule-là que le cerveau m'a pété dans le véhicule électrique. Ah, <laughs> c'est tellement. Vous avez aucune idée. Il est, est très rapide, là. Ah, N, est... On va se dire, un m 240 i là, c'est. C'est une très belle machine. Là. Oui, mais tu le files. Tu sais, quand t'essayes es, un m 40 ou un véhicule électrique qui a moins de performance ou peu importe, tu sens le véhicule, tu sens la vitesse que tu roules, tu sens tout ça. Mais, mais dans le. Mais moi, moi j'étais en arrière de toi, t'accélérais. Je ne sais même pas si tu étais dans le tapis ou non. Là, non, même pas. Fait, mais moi, je shiftais mes vitesses et comme y a -il quelque chose qui marche pas avec la berne est -es tu slow Je suis pas capable de la rattraper puis je suis dans le tapis. Genre... C'est un, une voiture rapide, là. C est, c est, c est, c est, regardez, là, c'est... Ah, c'est vraiment... T'avais les chevaux pis tu le kit t'sais, pour t'sais, rattraper. Ça fait le 0 -100 en bas de 4 secondes, puis euh, très bon moteur, facilement modifié. Peut-être que bientôt, il va y avoir une tension manuelle, ces choses-là. Mais... Euh, là, c'est là c'est là, là que tu, tu réalises c'est comme euh, de boire avoir le mon, plus mon, des... mon véhicule est comme vraiment désuet à comparer des nouvelles technologies tout était, les... vraiment dans, le, 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 le était vraiment dans un, tu sais le IX c'était vraiment une voiture genre on va à l'épicerie ah, j'étais dans ce beat-là. J'étais pas, pas un... dans le beat, je euh, vais faire une course je ou je sais suis pas en un... fou. Là. Moi, dans ma tête, je respectais la limite. Pis, euh, mais quand ça tombait vert et c'était libre, mais je me rendais à la limite euh, permise. Mais <rire> <rire> tu, me poses, tu me suivais pas. Mais euh, c'est... Sans niaiser, c'est là que Moi, le cerveau me pétait à ce moment-là. Parce que c'est dangereux. Ouais. Mais regardez, on le, voit, on le voit facilement par nos essais qu'il y, y, y a un chiffre qui est en train de se passer dans les voitures sport. Euh, Est-ce que dans le futur, ça va être réservé seulement euh, aux quatre portes, au VUS, puis le reste, ça va être genre juste des Porsche, des Ferrari Je ne sais pas. Regardez, je vais, je vais être franc avec vous. Là. On regarde tous les véhicules, moins vraiment un peu sport qu'on a essayé dernièrement, ils étaient presque tous quatre portes. Oui. Euh, on regarde la Elantra N, la WRX, la Golf Air qu'on a eu à l'essai. Mm -hmm. On a eu aussi le Kona N, on a eu le Cadillac euh, CT5V Blackwing. C'est tous des véhicules, quatre portes de haute performance. Très le fun à conduire, plus pratique aussi. Euh, Puis, il faut, faut pas l'oublier aussi, là, regardez, là, on est rendu plus vieux, là, mais on n'est on plus, euh, plus 20 ans, là, mais… Je me rappelle dans le temps quand tu avais un coupé de portes, ça coûtait cher d'assurance. Ah oui. Fait que ça, ça joue aussi beaucoup dans, dans, dans la question quand tu es jeune, tu vas acheter ça. Fait que là, la question est, c'est que quand qui offre un produit comme une BRZ ou ces choses-là, il, il, parle, il parle beaucoup que c'est pour les jeunes. Mais est-ce que c'est vraiment des jeunes qui vont aller acheter ça au concessionnaire, au concessionnaire neuf ou c'est un bonhomme qui veut un week-end car comme un genre de Miata? Moi, je pense que ça va être un peu des deux. Regardez, en gros, euh, je pense que, comme je dis, côté pratique, va dominer euh, VUS de plus en plus. Euh, J'espère qu'il va toujours avoir une version sport. Je sais que la tendance est de plus en plus vers la hors route mm -hmm. euh, avec les Broncos, les Jeeps, les versions AT4, euh, tout ça. Euh, super pour notre climat, mais pour les amateurs, un peu plus de sensations fortes, de tenue de route, ces choses-là. Euh, C'est pour rendez-vous quand on a un modèle hors-route. Euh, Laissez-moi savoir dans, vos, dans les commentaires quest ce que vous en pensez. C'est qui qui, qui qui va sauver les fameux euh, coupés sports? Euh, okay. Encore une fois, sans rentrer dans les porches, tout ça. Là, les, ceux qui sont abordables en ouais. bas de 100 000 je pourrais dire. Là. Qui, qui va sauver ça? Est-ce que ça va être toujours BM qui va continuer à faire des trucs comme ça? Il euh, y en a de moins en moins. On en voit de moins en moins sur la route. Aussi. De moins en moins de décapotables aussi. C'est quoi le futur? Est-ce que ça va renaître avec l'électrique? Ou euh, de plus en plus, là, les modèles comme les BRZ, les GR86, tout ça, c'est les, les, un petit peu les derniers mm -hmm. euh, à offrir un produit comme ça. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que les vrais coupés euh, deux portes sportifs abordables, vont faire... Euh, — Vont disparaître. <laughs> — Vont continuer, vont disparaître. Dites-nous dans les commentaires. — On veut savoir aussi, c'est quoi, selon vous, le futur pour les coupés sportifs dans un futur électrique. Est-ce qu'ils vont disparaître littéralement ou on va avoir euh, des espèces de faux manuels avec des faux bruits, etc. On veut savoir votre avis. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, euh, même sur le podcast vidéo. Si vous l'avez écouté, allez le réécouter sur YouTube <rire> aussi. <laughs> — C'est bon. N'oubliez pas de liker et partager. On se retrouve dans un prochain podcast. podcast.